Good morning, Aleiden, les tutos aujourd'hui, les Nishmat Roset, Bat Sultana, Amram Yona, Ben Chana, Peggy Bat Esther, Nissim Ben Ahuda, ainsi que l'Irfouat, Bracha Sarah Bat Chana, Rachel Betor Chapol Israël. Si vous souhaitez aussi aider une prochaine étude de Mishnah, connectez 5 minutes éternelles. Nous étudions un Sechet de Nara, Peridalet Mishnatet, Dorchin im Hagoy Bagat, Avalo Botzrin Imo. Israël, Shehuose Betuma, Lo Dorchin, Velo Botzrin Imo, Aval Molechin Imo Chaviot Lagat, Umvin Imo Min Hagat. נחתום שהוא עושה בתומה, לא לשין ולא עורכין עמו, אבל מוליכין עמו פת לפלטר. On continue à parler du Yain Neser, la Mishnah qu'on introduisait depuis la Mishnah précédente en fait. Pour rappel d'abord, le Yain Neser, le grave Yain Neser, l'interdit du vin des Goïm, le plus grave, c'est celui que les Goïm offrent à la Avodah Zara. Ça prend un statut de Tikrovet, Avodah Zara. Les offrandes qu'on fait par la Avodah Zara, c'est interdit en tirer profit, Minatorah. Il faut détruire, on n'a pas le droit de le garder. Et à part ça, Khamim, on fait un décret d'interdire tous les vins qui proviennent, qui ont été touchés par des goyim. Ce qu'on appelle Yain Neser Stam Yainam. Du Yain Stam. Que Khamim, on fait un décret, je ne sais pas si c'est admis de tout le monde, mais en tout cas, je l'ai vu dans certains livres, que c'est en fait composé de deux éléments. D'une part, Khamim ont voulu nous écarter des goyim, donc ils ont voulu décréter un interdit sur leur vin, mais ils ont défini le vin en considérant que les goyim, ils sanctifient le vin à leur Avodah Zara, donc on va le considérer. C'est composé de deux éléments, d'accord? C'est-à-dire, pour nous écarter des Goïm, Chachamim ont fait que leur vin il est considéré comme si c'était du vin de Avodah Zara. Ok? Maintenant, c'est un interdit qui n'est que Midera Banane. Selon le cas, on apprendra. De manière générale, il est interdit d'en tirer même profit. Ça veut dire, j'ai pas le droit de vendre, j'ai pas le droit de faire du commerce avec du vin de Goïm. Et dans certains cas, il ne sera interdit que à boire, tandis que j'aurai le droit à en tirer profit, comme on évoquera éventuellement quand on y arrivera, certains cas particuliers. Par exemple, si ça vous intéresse, ce que le Rambam écrit que les Arabes, à la différence des chrétiens, les chrétiens sont des Ovdei Avodah Zara, les Arabes ne sont pas des Ovdei Avodah Zara. De ce fait, un catholique qui va toucher du vin, il va le rendre, il y a une Neser, interdit d'en tirer profit, il faut le détruire. Tandis qu'un Arabe qui va toucher du vin de Juif, alors on n'aura plus le droit de le boire, mais on aura le droit quand même d'en tirer profit, de le revendre. D'accord? Bon, on aura l'occasion d'évoquer le sujet plus dans les détails au fur et à mesure qu'on va évoluer jusqu'à la fin de ma série de Avodah Zara, on va parler que de ça. Concrètement maintenant, on va traduire directement la Mishnah, la première partie, et puis on expliquera ensuite, ça touche à la même Mishnah qu'on apprenait hier. Dorin imagoy bagat. On a le droit de fouler, d'écraser en piétinant les raisins dans un pressoir avec un goy, c'est-à-dire qu'en fait le pressoir appartient au goy, et on va et on travaille pour lui en fait, en piétinant en même temps que lui. Avalo botzrinemo, on n'a pas le droit de vendanger avec lui. Il veut tsor, ça veut dire faire les vendanges, la cueillette des raisins. Et à part ça, on continue un tout petit bout de la Mishnah parce que ça va nous intéresser. C'est déjà Israël shehose betum a, un juif qui ne respecte pas les lois de pureté et d'impureté. Donc il cueille les vins pour les faire de manière impure, les raisins, pour les ensuite les traiter alors qu'il a tous ses ustensiles qui sont impurs. Lo dochin velo botzrin imo, on n'aura pas le droit de fouler le vin, le raisin avec lui, ni même de le vendanger, de le cueillir. En même temps que lui, on expliquera plus dans les détails la suite. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est comme ça. Puisque le Yain Neser, le Stam Yainam, le vin des Goïm, je n'ai pas le droit d'en tirer profit. À inclure le fait de ne pas en tirer profit, c'est ne pas même travailler pour lui. Ça veut dire ne pas me rémunérer en travaillant pour du Yain Neser. J'ai pas le droit, même si je suis manutentionnaire et qu'on va m'embaucher pour transporter des fûts de Yain Neser, je n'aurai pas le droit de les transporter. Parce que le sraf que je vais recevoir, c'est Médéra Banane bien sûr, ce sera un sraf qui va venir en contrepartie d'un profit du Yain Neser. Puisque je veux moi ce Yain Neser, je veux qu'il soit là pour que je travaille avec lui. Alors dans ce cas-là, on considère que la contrepartie, la contre-valeur, le travail que je vais faire pour ce vin sera lui aussi interdit, Be'ana. Donc je n'ai pas le droit de travailler pour du Yain Neser. La Mishnah nous enseigne maintenant que, sache que lorsqu'on est dans le pressoir, vous savez bien, comme on avait dit, dans la cuve essentielle dans laquelle on écrase le raisin, on le fait avec les pieds. Et ensuite, on ouvre un petit tuyau. Et c'est ce qu'on appelle la hamshacha, on est mocher le vin, on tire le vin, on le fait écouler dans une cuve où on réceptionne là-bas tout le vin. La Mishnah précédente, comme notre Mishnah, n'est pas retenue pour la halakha, mais elle pense, elle, que le vin n'est considéré comme vin que depuis le moment où il arrive dans le puits.
dans le bord, dans la cuve, et pas lorsqu'on est en train de le piétiner. De ce fait, lorsque je le piétine, même en présence du goy, il n'est pas encore interdit par le yain neser. Il n'a pas encore un statut de yain, il n'a pas un statut de vin. De ce fait, j'ai le droit de tirer un profit, parce que j'ai le droit d'aider un goy même à travailler du raisin, si j'ai aucune contre-indication. D'accord ? Je peux l'aider à accueillir des fruits, je peux l'aider à accueillir du raisin, à l'exception d'un détail, comme je vais expliquer après. Mais en tout cas, en théorie, par rapport au travail lui-même, ça n'a aucun rapport avec le yain neser. Le yain neser, c'est que quand on a un produit qui s'appelle du vin. Or, cette Mishnah, comme la précédente, pense que on considère que le vin devient vin que depuis le moment où il arrive au bord. Tandis que lorsqu'il est encore dans le pressoir et qu'on l'écrase, c'est pour le moment, c'est un mélange de... une mixture de vin, de raisin mélangé avec son jus, mais ça n'a pas encore un statut de vin. Pour la halakha, ce n'est pas comme ça, puisqu'on apprenait pour la halakha qu'à partir du moment où, à l'intérieur même du pressoir, où on commence à avoir du vin, concrètement du liquide, il devient déjà interdit à cause du vin. De ce fait, on n'aura pas le droit de fouler le raisin en présence d'un goy, avec un goy qui appartient à un goy, puisqu'il est du yain neser, donc je n'ai pas le droit, moi, de tirer un profit, un salaire du yain neser. Ok ? Suite de la Mishnah, elle nous enseigne Aval, lo botrin imo. Je n'ai pas le droit de vendanger les raisins avec lui. Là, on parle d'une tout autre, un tout autre sujet. Et j'ai d'ailleurs continué la Mishnah à cause de ça, justement. Qu'on apprend le même principe aussi avec un juif qui ne respecte pas les lois de pureté et d'impureté. Les fruits qui poussent en Eretz Israël, il faut ensuite leur prélever les tourmot, les masrot. Et les troumas, la trouma et la trouma gdola, le maser sheni, doivent être consommés dans la pureté. De ce fait, je n'ai pas le droit de les rendre impurs. Il faut veiller à ne pas être mishmeret troumotai, il faut veiller à ne pas rendre impur la trouma. En l'occurrence, même lorsque les fruits sont encore, d'après le Tana de la Mishnah, même lorsque les fruits ils sont encore tevel, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore prélevé, malgré tout, il faut veiller à ne pas rendre impur le tevel, d'après le Tana de la Mishnah. De ce fait, lorsque je vais aider un goy à vendanger, à cueillir ses raisins, il va s'avérer que maintenant, le goy, bien sûr, lui, il ne veille pas tellement sur les lois de Touma et de Tahara, il peut avoir des ustensiles dans lesquels il va ensuite son gat, son pressoir, par exemple, là-bas, il peut y avoir du fer, du cuivre, différentes matières qui reçoivent la Touma, il est possible que maintenant, donc, il va les amener Betouma, il va les rendre impurs. De ce fait, si je vais l'aider à vendanger, donc je vais, moi, provoquer que le goy va rendre impur le raisin. Et d'après le Tana de la Mishnah, je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit de provoquer, de contribuer, même passivement, quelque part, en deuxième plan. Je n'ai pas le droit de contribuer, de provoquer que des fruits d'Israël vont devenir impurs. Tel est l'avis de la Mishnah, qui ne sera pas, lui non plus, retenu pour la halakha. Étant donné que pour la halakha, on va tenir que je n'ai pas le droit, certes, de rendre impur la trouma, mais j'ai le droit de provoquer... Je n'ai pas de contre-indication de provoquer que la trouma va devenir impure. C'est-à-dire en aidant le goy pour que demain, ensuite, les fruits, le tevel, il va devenir impur. Je n'ai pas de contre-indication de le faire, donc ce ne sera pas non plus retenu à l'achat. Regardez finalement, on a la Mishnah qui nous dit « J'ai le droit de fouler avec un goy, mais je n'ai pas le droit de l'aider à vendanger. » Il s'avère que pour l'achat, on retient le contraire. Je n'ai pas le droit de l'aider à fouler parce que c'est déjà considéré comme du vin. Mais par contre, j'ai le droit de cueillir avec lui parce que je ne suis que... je ne fais que provoquer une éventuelle impureté, mais je n'impurifie pas activement. Ok ? On passe maintenant à la suite de la Mishnah. Juste une seconde, regarde, ça me partait. Non, j'ai dit tout ce qu'il y avait dedans. Et c'est bon. Donc, petit détail important que le Bartin aura précise, c'est bien que j'ai revu. Il y a comme ça, ça se passe comme ça. Il y a quand même une petite question à poser. C'est que lorsque je vais aider le goy à piétiner, donc le Tana de la Mishnah nous permet d'aider le goy à piétiner. Petite question, finalement, mais je l'aide à piétiner, mais maintenant il s'avère que le raisin est devenu impur. Donc finalement, je contribue à le rendre impur. Réponse toute simple, ben non, je ne contribue pas à le rendre impur, parce que dès qu'il est devenu impur, il reste impur. D'accord, c'est la suite du Barthénora, du premier Barthénora. Et on a fait tout l'essentiel du deuxième Barthénora avec un petit détail, mais c'est bon. Israël, Sheose Betouma, Lodochin, Velo Bosrin Emo. En Israël, la même chose qu'avec le goy. Un Israël qui ne respecte pas les lois de pureté et qui ne respecte pas les lois de pureté et d'impureté, il s'avère que si je l'aide à vendanger ses raisins, alors je vais moi provoquer qu'il va rendre impur ses raisins. Alors dans ce cas-là, l'odorine, je n'aurai pas le droit dans ce cas-là de ni même de piétiner, de fouler les raisins. Et là, on va expliquer pourquoi. Vélo botrine, moi, je n'ai pas le droit de l'aider à vendanger.
La Mishnah rajoute même que je n'ai même pas le droit non plus de l'aider à fouler, bien que, comme ce qu'on a évoqué maintenant, juste avant, en théorie, il ne devrait pas y avoir de problème, parce que dès que le raisin il est devenu impur, j'ai le droit d'aider même le Israël, puisque son raisin il est impur. Chachamim ont fait une xéra, on dit non, pour éviter que les gens se permettent de manipuler de l'impureté, alors on va faire qu'on ne va pas l'aider avant manger, comme ça, ça va. On ne va pas l'aider à fouler le raisin, de manière à ce qu'il va se ressentir qu'il est un peu discriminé en disant « Mais quoi, qu'est-ce que j'ai fait ?» On lui dit « Ouais, toi, tu sais, tu fais ton vin dans l'impureté, donc je peux pas t'aider. » Comme ça, ça va le motiver à mieux respecter les lois de pureté à l'avenir. Donc, en fait, je n'ai pas le droit de l'aider avant manger parce que j'ai pas le droit de provoquer l'impureté, et j'ai pas le droit non plus de fouler avec lui. C'est une barrière pour le stimuler à faire mieux la prochaine fois et à mieux garder son vin dans la pureté. Tandis que, par contre, j'ai le droit d'apporter des fûts vides, les amener au pressoir, ou bien, une fois qu'ils ont été remplis, de les prendre du pressoir et les amener ailleurs, dans un entrepôt. C'est-à-dire, on explique plus rapidement, plus simplement, je n'ai pas le droit de rendre impur la trauma ou le tevel, j'ai pas le droit de provoquer l'impureté, j'ai pas le droit de contribuer au travail du Israël, du Juif, qui ne respecte pas les lois de pureté, mais malgré tout, on ne va pas tout m'interdire. On m'interdit que ce qui est les actions essentielles pour fabriquer le vin. Soit vendanger, ou fouler le raisin. Tandis que des actions qui sont secondaires, comme apporter des fûts vides, ou bien une fois que le vin il a été impurifié, et que de toute façon il est rentré maintenant dans les fûts, j'ai le droit de l'aider à transporter les fûts. Bon, les Chachamim n'ont pas fait un décret aussi violent que tu n'as plus le droit de toucher du tout, même au fût qui contient du vin pur. Ramé m'ont pas fait un décret pareil. Ils ont juste fait un décret sur les actions essentielles, de manière à ce que le juif va à l'avenir mieux respecter les lois de pureté et d'impureté. Selon le même principe, la Mishnah continue de nous enseigner. Nartom Shehose Betuma. Un boulanger qui fait son pain Betuma, qui le fait dans l'impureté. Soit dans la pâte, il faut prélever la challah. Un 24e, un 48e, selon le cas. Si un boulanger c'est un 48e, il doit prélever une challah et la donner au Kohen. Et puisque cette challah l'institue comme une trauma, il faut veiller à ne pas la rendre impure. De ce fait, il faut veiller à pétrir dans la pureté. Alors, si maintenant on a un boulanger qui lui ne respecte pas bien les lois de pureté et d'impureté, donc il fait sa pâte dans l'impureté. Alors la Mishnah m'enseigne, lo lachin velo orinimo. Tu n'as pas le droit de travailler avec lui pour l'aider à pétrir en même temps que lui, ou pour former le pain, qui sont les travaux essentiels du pain, d'accord, de la préparation. Baval molichinimo pat le paltar. Par contre, on a le droit de l'aider ensuite, une fois que le pain il a été cuit, on a le droit, qu'il est sorti du four, j'ai le droit de le prendre et de l'apporter au paltar, qui est en fait celui qui vend le pain. Ça rejoint le même principe que la Mishnah précédente, que le cas précédent, en fait. Puisqu'on n'a pas le droit de le faire betouma, dans l'impureté, alors, Ramir m'a dit, tu sais quoi, tu le mets en quarantaine, tu l'aides pas hein, à travailler, tu ne travailles pas avec lui, de manière à ce qu'il va voir que quoi, tous les gens religieux, ils veulent pas venir m'aider à travailler, c'est tellement grave ce que je fais de manipuler de l'impureté, alors là, comme ça, à l'avenir, il va faire son pain dans la pureté. Donc, tu n'as pas le droit de l'aider. Mais quel type de travaux? Les travaux qui sont essentiels, comme pétrir le pain ou bien le former. Tandis que par contre, une fois que le pain il a déjà été fait, alors là, il n'y a pas de contre-indication à le prendre et à le transporter. Pour retenir la halakha quand même, je vous lis le Tiferet Israël qui rapporte des conclusions très importantes. Je ne le retrouve pas, non, c'est dommage. Voilà. Oh, mocher apat. Vekaimalam. Voilà, j'ai retrouvé. Deletevel mutar ligrom tuma. Lorsque, c'est important, parce que pour le moment, tout ce qu'on avait vu, on avait vu que je n'avais pas le droit de provoquer une impureté, même avant le prélèvement des fruits. Il faut savoir, selon la Torah, ce qui est explicite dans la Torah, je n'ai pas le droit de rendre impur la trauma. Mais les fruits qui n'ont pas encore eu, qui n'ont pas encore été prélevés, donc ils ont un statut de tevel. Est-ce que j'en interdis de le rendre impur? On apprend que le Tanan de la Mishnah considère que oui, et le Tiferet Israël vient nous apprendre que non. La tevel mutar ligrom tuma. Si le tevel, les troumottes n'ont pas encore été prélevés des fruits, les prélèvements n'ont pas été encore prélevés, alors j'ai le droit pour le moment de provoquer indirectement que ça va devenir impur, soit de provoquer que un non-pratiquant va faire qu'il va rendre ce pain impur ou ces fruits impurs. Ou bechoulin metoukanin, et si il s'agit de choulin, de fruits qui ont été complètement
déjà prélevé. Alors, moutard et tamé les diens, on aura même le droit aussi de le rendre impur. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de la sacra.